pouvoir de déclencher des guerres. Y a des mots qui blessent profondément, sans que personne ne proteste, sans que personne ne s'affole. Y a des mots qui brisent des liens, y a des mots qui construisent des murs, y a des mots qui sourient quand ils te tuent, y a des mots comme des cancers. Y a des mots qui agissent avec la rapidité d'une arme chimique. Toi, aussi loin que tu t'en souviennes, tu as toujours été un bon soldat, c'est inscrit dans tes gènes. Tu aimes l'ordre et la discipline, que les règles du jeu soient claires. Tu absorbes, tu intègres, avec la joie d'un enfant, la passion d'un collectionneur. Tu as appris à dire oui, toujours à dire oui, car comment faire autrement, oui. Dire oui c'est être dans le monde, dire oui c'est accepter le progrès, c'est être en avance sur son temps, c'est la possibilité d'être heureux, soit performant, oui, soit performant dans tous les domaines de ta vie, soit performant au travail, dans ton couple, avec tes enfants, soit performant quand tu baises au sport avec tes amis. Sois performant. Évalue pour toi, afficher un tableau de tes performances, les mettre en balance avec celles de tes amis, comme un test comparatif pour les voitures. Celle qui va le plus vite, celle qui consomme le moins, celle qui est la plus endurante, celle qui est la plus belle. Une compétition faussement joyeuse, un désastre humanitaire. Quand est-ce que ça a commencé? 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 Essaie de te souvenir, oui! Essaie de te souvenir! À l'école enfantine, peut-être même avant, dans le ventre de ta mère, à la première échographie, c'était pour ton bien, toujours pour ton bien. L'important ce n'est pas de participer. Ce sont les perdants qui se consolent avec cette phrase. Être le meilleur, être en haut du classement. Toute ta scolarité.